J'espère que vous allez bien. Alors, ici, on a un super beau soleil. Ça fait du bien, mais il fait pas très chaud, par contre. Hein. C'est pas terrible. Alors, on se retrouve pour... déjà, pour vous donner de mes nouvelles. Mort de rire, quoi. Non, non, je vais bien. Je vais bien. Je suis un peu occupée. J'ai des petites choses à faire. Voilà. Puis avec le beau temps, on va essayer de commencer le jardin un petit peu. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu absente. Donc on se retrouve pour faire une petite carte monochrome que nous a demandé pour son concours ma Drinette. Donc les tutos de Drin, Sandrine, si tu passes par là, c'est pour concours. Alors, je vais t'envoyer la photo, évidemment. Hein? Y a pas de souci. Donc, on descend. Je sais pas, j'ai cracrassé ma plaque. C'est pas grave. On se rend. Hop, on descend. Voilà. Vous avez mes mimines. Tout va bien. Hop, on va faire comme ça. Alors, pour une fois, j'ai tout préparé. C'est merveilleux, la vie, non? À part ça. Voilà. Ah, ça tombe. Alors, je suis venue chercher une base de cartes. Cette carte fait de mémoire, parce que je m'en souviens plus. Pousse-toi un peu, toi. Ben, je vois rien. Alors attendez, je me lève parce que je vois rien du tout. Bah, je suis miro aujourd'hui, quoi. 19. 19 sur 19,5. Donc, plié en deux. Voilà, tout va bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrondis les angles? Ouais, je vais arrondir les angles de ce côté-là. Et je vois que mon truc fonctionne toujours aussi bien. Je vais me lever. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, on fait un petit peu d'exercice. Debout, assis, debout, assis. Voilà. J'ai pris une base de cartes. Bleu ciel. Avec des petits pois. Mais avant, je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Avant, c'est celle-là. Donc, je suis venue prendre une base de cartes bleu ciel. Celle-là est plus foncée. Hein? Voilà. Qui, elle, mesure 9,5 sur 18,5. Voilà. Hop. On va faire quelque chose de très simple. J'ai oublié de faire les arrondis de l'autre côté. Béa, ça commence. Hop. Voilà. On va arrondir le papier. Hop. Hop. Là. Non, j'arrondis pas de. J'arrondis que sur deux côtés. Ma petite poubelle. Hop. Donc on va coller ça là-dessus. On regarde si ça va. C'est parfait. On colle. Moi je colle avec la colle. Hop. La colle d'action. Hop. Alors, les consignes étaient de faire une carte monochrome. Donc de la même couleur, mais de la couleur qu'on voulait. Donc voilà,
travailler, oui. Donc, on vient coller ça droit, si possible. Voilà. Donc, notre papier déco, qui fait, lui, 18 sur 8,5 normalement. C'est ça. On fait les coins. Voilà. Qu'on colle là. Oui, non, oui, oui. Donc, hop. Plein. Nickel. On va venir mettre ça droit, si possible. Voilà. Voilà. On va venir gommer le trait-trait. Si ça veut s'ouvrir. Voilà. Deux. Du marquage. Voilà. Hop. Ensuite, on va venir y mettre. Alors, je sais pas si j'y mets ça. Alors ça, je vais venir le teinter en bleu. Ensuite, j'ai fait deux ronds. Deux couleurs différentes. Ouais, ça me plaît bien. Donc ça, on va venir le faire en bleu. Alors, je vais prendre un petit morceau de feuille. Voilà. Parce que j'ai déjà tout sali Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Apparemment, c'est que des nouvelles. Bon. Bah, écoutez. Voilà. J'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira. Voilà. Hop. Zou. Voilà. Et puis. Hop. Je ferme celle-là. Je mets le petit bouton de mon. Je prends la plus foncée et par endroit simplement. Voilà. 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 Je voulais pas en mettre partout. Voici, voici, voilà. On range là. On va venir coller. C'est joli. Hein, je vais venir coller donc. Si ma colle veut bien aujourd'hui, parce qu'il y a des jours où elle veut pas, aujourd'hui elle veut bien. Hop, on retourne, on prend la carte et on met. Alors c'est sympa les petits bouchons là, mais voilà quoi. Hop. On met un peu de colle partout.
C'est pratique ces petits bidons de colle, hein. C'est très pratique. Petit bidon de précision là. Mon père appelait ça des brouettes. Des burettes. Faisait rire quand il bricolait, il me disait va chercher la burette. Alors on savait ce que c'était. Hein. N'y avait pas de souci. Voilà. Alors je vais prendre mon petit chiffon, mais je vais en prendre un autre parce que celui-là. Hein. On peut dire que je viendrai recoller les endroits où ça ne colle pas, comme là par exemple. Ça colle pas parce que j'ai pas mis de colle. Voilà. Hein? Alors. Voilà. C'est collé. Voilà. Ensuite, je mets le clair et le foncé, ou le foncé et le clair. Non, je vais faire l'inverse. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Hop. Voilà. On appuie bien comme il faut avec le petit chiffon. Voilà. Et on va venir y mettre le deuxième. Voici, voici, voici. Hop. Voilà. Ensuite, je suis venue chercher une image comme ça avec des petites fleurs bleues. Alors, j'ai envie d'ancrer tous les tours. Pour faire ressortir les petites fleurs. Voilà. Hop. Faut que je me rachète des doigts. Hein. Des petits doigts éponge. Ça serait quand même mieux. Voilà. Donc, j'ai mis du scotch. Enfin, du double face. Même pas du scotch, c'est du double face. Voilà. Alors j'ai plus d'ongles. C'est pas facile d'attraper les petits opercules. Voilà. Hop. Et puis, je vais venir mettre ça là. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, on la verrait peut-être mieux comme ça. Voilà, voilà, voilà. Ça, là, il y a un petit bout qui décolle. Ah non. Bon. Ensuite, je suis venue faire un papillon. Comme ça. Avec les planches de BB Craft, n'importe quoi. De Panda Hall. Alors, on va la mettre. On va le mettre là. Voilà. Bon, je l'ai découpé avec la avec les dailles. Mon petit chiffon. Comme dirait Béa dit, mon chiffonnet. Si tu passes par là, Béa, je te fais des gros bisous. Voilà. Et j'ai
tamponné. Bonne chance, vu que c'est pour son concours. Non, on va venir mettre ça là. Voilà. Voilà. Ensuite, je suis venue chercher des petits strass. J'ai des petits strass bleus. Alors, vous savez, c'est cette planche-là, je l'aime beaucoup. Hein. C'est celle que j'avais trouvée à Nose. Je vais venir chercher des petits strass bleus. Je vais en mettre un là. Voilà. Hop. Voilà. Un là. Je vais le chercher plus haut. C'est bien ces petits strass là parce qu'en fait vous avez de toutes les couleurs. Vous prenez la couleur que vous avez envie. Celle qui vous plaît pas, vous la remettez. Voilà. Je vais enlever les petits zouizoui là. Ça me plaît pas. Et voilà. Là. Et je vais regarder si dans mes trucs comme ça, ouais, j'en ai. J'ai du bleu. Alors, avant de faire une bêtise, ah ben, il n'a jamais servi en plus. Bravo. Hop, poubelle. Est-ce que je voudrais venir en mettre dans le milieu? Alors, je voudrais en venir en mettre un peu là. Voilà. 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 Ouais. Je descends. Je suis en train de me demander si je ne mettrais pas une petite là. Vous en pensez quoi? Allez, une petite goutte là. Avant de faire des bêtises. Parce que. Alors, bouchon, j'ai pas très confiance. Voilà. Une là. Voilà, voilà, voilà. Hop. Et puis, est-ce que je fais un contour? Bon, ça commence bien. Ça commence bien, marche pas. Des petits traits. Alors après, vous les faites comme vous voulez. Hein. Des petits traits. J'aurais dû les faire avant, d'ailleurs. Ça aurait été plus intelligent de ma part.
je remonte. Hop. Donc on va essayer de ne pas mettre les doigts dedans la carte. Voilà, voilà ma petite carte en monochrome. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous plaira. Hein? Voilà. Et elle s'ouvre comme ça. Donc, je vais faire une photo. Je vais l'envoyer à Sandrine. La photo. Et je vais voir pour lui envoyer aussi carrément la carte. Voilà. J'espère que ça lui conviendra. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo en toute simplicité, rien de compliqué, vous a plu. Excusez-moi. Excusez-moi. Je sais pas pourquoi, en ce moment, je fais plein d'allergies. Pourtant, c'est pas la saison des pollens, mais voilà. Bon. Je sais pas. Il faut pas chercher, hein. Vous savez, des fois, je cherche pas, hein. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à liker. Un pouce, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, ça refait ma journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.